Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le Majin Vegeta qui vient de passer ZLR sur la version Jap. Attention, hein, l'Extreme Z Battle est un peu relevé hein, sur les derniers niveaux, ça tape bien comme il faut, donc prudence hein, au cas où, mais ça devrait quand même bien se passer globalement. Alors le Majin Vegeta ZLR, j'ai pas de doublon, donc vraiment on va voir au minimum ce que ça peut donner, ce qui est quand même assez intéressant. Pour ceux qui n'auraient pas de doublon. Également, le passif est à rallonge, mais finalement, on va pas garder grand-chose. Enfin, je m'explique. Je rappelle le principe du personnage. On a de la défense tout de suite, on a l'attaque pendant l'attaque spéciale. Ce qui va multiplier les bonus du support, ça va être cool. Comme avant. Et on a du coup plein de bonus par rapport à des personnages. Sauf qu'on va être très honnête, le bonus par rapport à Bulma dans la team, c'est mort. Parce que à part Vegeta Bulma, cette condition ne sera jamais remplie. Et même Vegeta Bulma, à part en famille de Vegeta, tu le joueras jamais. Et même en famille de Vegeta, le perso est pas exceptionnel, hein, il a très peu de défense. Donc, soyons honnêtes, le bonus réduction qui plus 2, il est cool, mais on l'aura jamais. Donc déjà, Vegeta Bulma, je ne joue pas dans ma composition. Et encore une fois, de toute façon, soyons réalistes, on le jouera jamais. En tout cas, tant qu'il n'a pas de ZTR déjà. C'est, voilà. Donc Majin Vegeta, dans 99% des cas, il sera sans ce premier bonus. Ensuite, par contre, Trunks enfant dans la team, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Même si, il faut quand même noter que souvent, les Trunks enfants se jouent avec les Goten pour avoir tous les bonus. Mais là, il y a un moyen de passer un peu outre. Et vous allez le voir. Donc là, on va obtenir effectivement le Ki plus 2, attaque et plus 20%, comme il y a un Trunks dans la team. Donc ça, c'est cool. Et par rapport à Goku en face ou dans la rotation, on a Ki plus 2, chance de crit plus 20%. Ça va arriver de temps en temps, à la fois parce qu'il y aura en face de l'adversaire, et pourquoi pas dans ma team quand un Goku va se ramener. Donc ça, ok. Et enfin, bon après il y a le délire des 30% PV au moins qui plus 12 et fait un crit, mais ça, on verra si on arrive à le proc, mais c'est quand même extrêmement risqué. Donc on verra s'il y a moyen de le faire, mais ça dépendra un peu de la game. Du coup, on va le jouer avec le Vegeta SCJ2 AJ, qui partage quand même pas mal de liens, briser la limite, guerrier doré, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui est chiant, c'est qu'il a pas fierté Saiyan. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de... Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Link Body pour Majin Vegeta LR. Hein. C'est un peu compliqué. Il y a le Vegeta LR Intelligence, mais qui, bon, bah, qui est pas incroyable non plus. Hein. Il y a le Majin Vegeta Tech, mais c'est le Transfo. Donc, tant qu'on n'est pas transformé, bah, c'est pas exceptionnel. Donc, ce Vegeta SJ2J marche plutôt pas mal. Et il est quand même vachement bien. Donc, ça peut être intéressant. Je ramène quand même le Tech qui va proc fierté Saiyan quand il arrivera dans la rotation. Mais bon, alors du coup, voilà, regardez, je ramène Trunks et du coup, je ramène C18. Et comme ça, Trunks aura tous ses bonus, notamment la petite partie support, C18 aussi. Et de cette manière, ça marche plutôt bien. Mais vous voyez qu'on est obligé de trouver des solutions détournées pour aller chercher les bonus, hein, parce que sinon, c'est quand même pas évident. Donc du coup, on va y aller les amis, Extreme SBR, Saga debout, c'est parti, let's go! C'est parti les amis, bonne rotation, le Majin Vegeta LR avec le Vegeta AJ, on a Trunks aussi dans la rotation. Qui va apporter un petit boost support, donc c'est quand même assez appréciable. Je rappelle que Majin Vegeta LR a beaucoup de défense, hein, je veux dire au niveau de la stat. Hein, on est quand même sur du 11763 sans doublon. Du coup, c'est quand même pas mal. On est parti, 153 KDF, donc c'est vraiment pas mal. Alors, c'est bon, c'est pas si dingue que ça, hein, bien sûr. Hein, c'est pas suffisant pour du mode très difficile, dans le sens où tu peux pas tanker littéralement avec. Mais c'est pas mal, sachant qu'on est sans doublon. Franchement les amis, c'est pas mal. Alors si on compare aux autres LR, enfin aux autres ZLR première génération, Broly, il a moins avant d'attaquer, il a plus par contre une fois qu'il a attaqué, Gohan c'est pareil. Mais tant qu'ils ont pas attaqué les deux, ils ont vraiment pas beaucoup de défense. Alors que là Majin, c'est quand même pas mal hein. Bon, il y a Trunks qui apporte une petite partie support, mais c'est que 18%, ça change pas grand chose, on verra après 100. Donc c'est pas mal, et on est sans doublon. On est sans doublon les amis, donc ça promet quand même avec les doublons assez vénère. Bon, par contre, là, la rotation, elle est très tendue. Hein, parce qu'il y a le tech là. Alors, il y a du Goku en face. Hein, donc, du coup, on a le boost critique et 20% en plus. Mais c'est vrai que. Bon, on va devoir item. Hein, c'est clair et net. On va devoir item. Le Vegeta J qui va stacker. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Je peux pas partir en carnage. Si on aurait pu tenter le stun instantanément. Mais là, ça va pas être possible. Bah, quitte à mettre un item, autant faire ça. Hein. On va mettre Whis. Et puis, je pense que les ki vont descendre correctement. Voilà, et on peut partir en carnage et donc tenter un double stun éventuellement. Et ça serait extrêmement appréciable.
Et par contre, Trunks dans la sauce, hein. Difficile, hein, cette première rotation, là. La répartition ne plaît pas trop. L'aspect de Vegeta, évidemment, first attack, hein. Comme ça, on est bien. Attends, j'ai mis un item, là. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ok, bon, bah, très bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, magie de Vegeta LR, 3 500 000. C'est pas mal, on est en carnage. Le stun, pas de stun. Ça craint Trunks qui prend pas ses... Bah, de toute façon, si on se fait spawn, on est mort, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Trunks qui va chercher l'attaque additionnelle. Oui, mais est-ce que ça va suffire? Je ne suis pas certain, les amis. Ok, pas de spé, ça va, ça passe. On est de retour, les amis, avec le Majin Vegeta LR. Donc là, pas de support. 143 KDF. Franchement, sans doublon, c'est pas mal. Je suis vraiment curieux parce que, si vous voulez, bon, c'est une bonne défense. C'est pas forcément suffisant, mais c'est une bonne défense. Mais je suis vraiment curieux de voir à 100% il a combien. Parce qu'en fait, il a tellement de stats. Je vais vous faire le calcul parce que vraiment, j'ai envie de savoir pour pouvoir commenter la valeur en fait. Parce que bon, c'est quand même un LR première génération qui est souvent doublonné. Donc c'est bien de voir ce qu'il fait sans doublon. Mais je suis vraiment trop curieux, les amis. On va calculer la valeur 100% parce que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Donc. Les statistiques 100%, c'est 15 163, hors équipement additionnel, admettons. Bon, du coup, ça fait 180 KDF, les amis. On passe quand même de 143 à 180, hors support, évidemment. Et là, tout de suite, 180, bah, mine de rien, c'est déjà un peu plus intéressant. Parce que je rappelle que la défense, il y a un espèce de d'entre-deux où ça devient déterminant. L'entre-deux, c'est entre 100 et 200 KDF. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les ennemis, en mode très difficile, mode Akashin, Goku Rush GT, Vegeta Rush GT, Extreme SBR, souvent leur valeur d'auto-attaque, c'est-à-dire quand ils vont vous taper en auto-attaque, elle est comprise souvent vers 200k. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 200k, si j'ai 200k dev, je prends 0. Ok, c'est clair. Ça veut dire que si j'ai 180k dev, je schématise, hein, je prends 20 000. Si j'ai 150, je prends 50 000. Donc vous voyez ce que je veux dire, on est dans l'entre-deux où, où le gain de défense est vraiment primordial. Parce que là, Majin Vegeta, un exemple concret. J'ai un ennemi, par exemple, en Vegeta Rush GT, enfin Vegeta Rush tout court, la valeur d'auto-attaque de Vegeta à la fin, c'est 200. 200k, c'est-à-dire que Majin Vegeta, là, sans compter en plus le fait qu'il est extrême, mais on met ça de côté, il va prendre 60k en auto. Si on parle de Majin Vegeta 100%, il va prendre 20k en auto. Vous voyez le... Il y a un gap quand même monstrueux entre 60 et 20k d'auto. 20k d'auto, c'est raisonnable. 60k, bon, hein, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que là, sans doublon, sa défense, elle est bien. Elle est insuffisante, mais à 100%, elle est déjà beaucoup plus exploitable. Vous voyez pourquoi je tenais quand même à checker la valeur. Bon, donc du coup, en somme, bonne défense sans doublon quand même. Hein, surtout que c'est de l'instantané, il n'y a pas de stack, il n'y a rien. Il n'y a que la condition Trunks pour être à cette valeur-là. Et puis c'est tout. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, alors ici, c'est pas mal. Mais pour le Vegeta J, quand même, 200k, c'est pas mal. Hein. Enfin oui, pour le coup, c'est bien. Alors on va pas partir au carnage ici. Hein, on s'en tape. On va peut-être prendre que ça. Par contre, ça sert à rien de trop en prendre. Mais on veut pas trop de... Oh, le full ki. Ah, il est tentant, le full... Ah non, 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 non. Voilà, voilà ce qui est plus tentant. Le 17 de ki, les gars. Le 17 de ki me tente nettement plus en fait. Allez, let's go, c'est parti. Bon, malgré tout, je vous cache pas que là en 4 spé, ça va faire très mal. Dans tous les cas, voilà, c'est pour ça que je vous parlais bien des auto-attaques. Hein, parce que dans tous les cas, l'aspect, évidemment, dans les modes difficiles, hein, ça fait très mal. 4 400 000 ouais, quand même. Vous voyez l'auto-attaque, je vous disais, bah, c'est même plus que ça là. Bon, après, c'est parce qu'il est extrême, mais. Vous avez vu ce qu'on vient de morfler dans la gueule. Hein. Ça pardonne pas. Donc les amis, 4 400 000, hein, ça pique. Ah, c'est l'heure de la passion, je vous laisse la passion peut-être. Donc ouais, 4 400 000, très beau dégâts, sachant que c'est la première spé, donc taper aussi fort avec, c'est quand même extrêmement appréciable. Donc ça, bon, c'était déjà le cas avant, il tapait déjà fort, hein, globalement, mais là, c'est encore meilleur. Bon. Bon bah voilà.
Merci Végéto. L'aspect qui tombe au milieu, bah c'est 18, hein, 215, on va virer Trunks, tiens. Ouais, je sais pas en fait. On vire Trunks ou c'est 18? Il y en a un côté... bon, en vrai, je le tue là en fait, je suis con. Non mais il est mort en vrai. Attends, l'aspect elle est devant, ouais, elle est devant. Bon, on va laisser Végéto devant pour contrer une fois. Mais en vrai, il est mort, hein, il est mort tous les jours là. Il est mort les amis. Il est mort. Bon, c'est vrai que du coup, le Magic Vegeta, quand on regarde la défense, si on avait le bonus 20% de réduction, là par contre, ça serait vraiment pas mal du tout. Hein. Même sans doublon, ça serait vraiment OP. Parce que ne serait-ce que 20% de réduction, ah, c'est quand même pas mal, les amis. Hein. C'est quand même pas mal, mais malheureusement, le boost par rapport à Bulma, il est irréalisable. Enfin, il est irréaliste, en fait. On l'aura jamais. Sincèrement, on l'aura jamais. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que du coup, avec la réduction... Bah, ça aurait été nettement... ça change pas tout, mais quand même, quoi. Vous voyez bien, sur Végéto puissance, ne serait-ce que 30% de réduction, ça aide énormément. Bah là, 20%, ça aurait aidé aussi. Deuxième combat, les amis. Trois adversaires. Si on peut faire un carnage, ça serait très appréciable. Et, oui, on va pouvoir le faire, le carnage. On va pouvoir le faire. Bon, par contre, on va item, hein. Faut pas déconner, on est en extrême SBR. On n'a pas tant de défense que ça. D'ailleurs, Végéta, j'espère qu'il va pas se faire spé dedans, parce que sinon, ça va faire mal. Mais imagine que Vegeta peut nous carry totalement, hein, bien sûr, hein, s'il commence à stun un ou deux adversaires, voire les trois, ça serait incroyable. Évidemment, les amis, ça va être le festival. On a Goku qui est dans la rotation, donc on a le boost et le critique. Donc de la même manière, très très cool. Et on va se faire plaisir avec... avec ça. Avec ça, ce sera très bien, on est parti. Et l'aspect de Gohan, évidemment, first attack, first position, quel plaisir. Ah, donc on ait le temps de stacker un petit peu. Parce que ce Vegeta il monte très vite, mais bon, si tu l'attaques à la première occasion, forcément, à un moment donné, ça suffit pas. Allez, imagine, 3 400 000, c'est des beaux dégâts pour du carnage. Le stun, au moins un, ça serait cool. Allez, un petit stun. Ok, le stun de Piccolo, les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et Gotenks, il a pris cher. Il a pris le tarif. Allez, Vegeto. Gotenks, bientôt dans la sauce. Ouais, ouais, il restera quand même pas mal de PV, mais ça va. Bon, ok. Bon, on a dû mettre un petit C8, donc observons. Alors, bon, là c'est la totale, les gars. Il y a C18, il y a C8. 240 KDF, mais bon, regardez le Vegeta, il y a 375. Non, mais lui, je vous dis, hein, sa défense, elle monte très vite, hein, je déconne pas. Hein. C'est un bordel. D'ailleurs, bon, on va le mettre devant. Hein. On peut encore faire un très très beau carnage avec cette rotation. Bah, du coup, Gotenks, je vais pas l'attaquer parce qu'il va se faire éclater la gueule. On va attaquer Gohan peut-être. Alors là les amis, vous le carnage full ki. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là ça va être la sanction ultime. Le carnage full ki avec un support. Sachant qu'on multiplie les bonus du support, je rappelle. Ça va faire très 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 mal. Ça va piquer la gueule. Bon par contre il n'y a pas de Goku en face ou dans notre rotation. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Let's go. Ok, l'aspect de Piccolo qui va bah, pas taper grand chose, je pense quand même. Hein. Ah, quand même, 110k, hein, mine de rien, mais. Pourtant, on a presque 400 KDF, hein, mais bon. Même plus, je sais pas s'il était full stack, quoi que si sûrement. Allez, imagine 4 200 000. Donc, on est assez proche des dégâts 17 ki, mais là, on est à 24, hein, donc forcément, ça s'équilibre. Et ça fait extrêmement mal, les amis. Hein. Et il est sans double, on a par contre là. N'oubliez pas hein, quand même hein, que il est sans doublon, c'est vite. Il est sans doublon, hein, donc les dégâts, imaginez à 100% le bordel quand même. Hein. Aïe aïe. Dernier les combats les amis, face à Super Végéto. Et là, comme vous le savez, ça tape très 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 fort. Et donc si imagine Végéta stun, on va être extrêmement content. Vous vous en doutez. Donc on espère que le stun va tomber. Évidemment, alors par contre, j'aimerais bien garder lui. On va aller chercher peut-être la transformation, mais... attends, c'est combien déjà? C'est 3 ou 4? 3 tours, en vrai, il y a moyen, hein, parce que du coup, je vais pas le taper si fort que ça. Du coup, on récupère Magine Vegeta Tech, ça peut être sympa, en vrai. Mais bon, du coup, est-ce qu'on tente comme ça? Est-ce qu'on... Ouais, allez, on va assurer. Bon, à la fin, peut-être on prendra un peu plus de risques, mais... On va assurer, je vais garder le Tech, du coup. Par contre, j'aimerais bien de quand même avec Magine, en vrai. Avec la première spé. On va peut-être faire attention ouais, au kit de notre couleur, les gars. Bon, après, c'est vrai que si on stun, ça va être un peu perdu, mais... Bon, pire, tant pis. On va... Est-ce que je... Attends, mais est-ce que c'est possible? Ah non, c'est mort. On a le Dokkan Mode, à moins qu'il y ait moyen de pas partir en Dokkan Mode, peut-être, au prochain tour. Bon, de toute façon, tant qu'à faire, vas-y, je pars en SP là, mais on va voir. Je vais essayer de pas partir en SP au prochain tour, mais je sais pas si c'est possible.
On va voir ça après les amis, j'aimerais bien garder avec ma gym, mais si, bah, si je peux pas, tant pis, hein, mais... Ça sera un peu plus fun. Bon là ça va évidemment, on a l'avantage. 4 millions, et ça c'est vraiment jouissif par contre de mettre des spé aussi puissantes à, bah, à 12 de ki en fait. Hein, même pas besoin de monter à 17, bon ça par contre c'est pas cool. Hein. Ça par contre ça va faire mal. Hein. Voilà, oui. Ah oui, et en auto, ouais. Ah oui. Et ouais les gars, à un moment donné, hein, on est extrême, hein, donc forcément ça pique la gueule. Mais bon, ça va, on va tenir. Ouais, alors j'avais zappé que pour Vegeta, la transformation c'était 80% PV. Ouais, c'est... Alors voilà, on retrouve hein, les... Pourquoi hein, ils sont chiants hein, quand même hein, les CJ2, parce que 80% PV ou plus, mais... Laisse tomber, quoi. Bah oui, forcément qu'on lui retire un peu plus que 20%, c'est abominable. C'est beaucoup trop, quoi. Enfin, c'est... Bref. Bon, c'est pas grave. Là, on a plus d'items actifs. Donc, ça peut faire très très mal. Et donc, il va falloir qu'on stun. Parce que si on stun pas, et lui qui partira pas en spé, hein, de toute façon, hein, c'est pour ça que je vous dis tant qu'il est pas. C'est quand même assez fastidieux. On a du ki bleu là, mais ah, j'ai pas envie de partir en carnage, moi, ça fait trop là. Ça fait trop. Mais du coup, on va se contenter de ça. Et même en se contentant de ça, on met des mandales. Très belles mandales. Bon, là, je vous cache pas que ça sent la mort, mais. On va peut-être tenter les 30% PV pour le passif. Ah ouais, 30k. Bah, en même temps, il part pas en spé, le con, donc forcément. Hein. Si on l'a, j'aurais pris ma défense, c'était bon, hein, mais... Bon, là, c'est un peu la galère. Hein. Donc, magie d'Easton, hein, parce que sinon... 4,5 millions, hein, et ne serait-ce que 18% de support, les gars. What stun, 100k. Là, vous avez vu, hein, ne serait-ce que le 18% de support, vous avez vu comment on met des mandales de dingue. Qu'on tape alors qu'on est à 12 de ki, on est à 13 de ki, donc c'est très facile en fait. C'est ça qui ouf. Bon, là, une spé, on est mort. Je vais vite me mettre la défense qu'on a pris. On est mort, mais je crois que c'est bon. Ouais. Bon, on a tenté les 30% PV, les gars, mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué d'aller chercher ça. Donc, malheureusement, ça ne va pas passer. Alors, c'est vrai que je suis en train de me demander un truc, mais est-ce que son passif est dynamique ou non? Parce que ça, avant d'avoir testé, on peut pas trop le savoir. Donc, il y a peut-être moyen d'aller l'activer. Mais bon, le problème, c'est que si une spé devant, je suis mort. Encore que lui, il va gagner des stats avec. Ça risque d'être un peu juste quand même. Mais j'avoue que ça mériterait peut-être le test. Si je transforme Végéto, le problème, c'est que je vais me régène. Donc, c'est mort. Je vais trop régène. Bon alors attendez, je pense qu'on va tester, on va tenter, on verra bien. Mais je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, on tente et puis on verra bien ce qui se passe, les gars. Au pire, si on meurt, c'est pas grave. Hein. On fait une expérience, ok, l'aspect direct, hein, je m'y attendais. Il y a moyen qu'elle nous kill, hein, ou tout juste pas, mais... Ok, ah ouais, je pensais pas qu'on prendrait autant, mais ok, my bad. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave, je sais pas si le passif est dynamique, je pense pas, normalement ce genre de truc c'est les PV début de tour. Mais des fois on peut avoir des petites surprises, donc sait-on jamais. Sait-on jamais, bon. On aurait pu évidemment terminer le combat sans problème, hein. 320 végétaux c'était fini. Mais c'est pas grave. Donc concernant Majin Vegeta ZLR, bah, il est vraiment pas mal du tout. La défense est bonne, pas suffisante sans doublon, hein. Clairement sans doublon c'est pas suffisant. C'est quand même un peu tendu évidemment, sans item, dans un mode très difficile. Mais on a quand même une bonne défense sans condition spéciale qu'on a tout de suite. Pas besoin d'attaquer ou quoi que ce soit, de stacker ou autre. Donc ça, c'est très appréciable. Maintenant, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, doublonner la défense, elle monte quand même pas mal. Hein, et clairement, une fois qu'il est 100%, c'est une autre histoire. Hein, plus de 180 KDF sans support, c'est quand même bien plus exploitable en mode difficile. Donc gros potentiel de ce côté-là, c'est vraiment pas mal. Côté attaque, ça fait très mal. Alors certes, en termes de valeur pure, il y a des persos qui montent bien plus haut, ou alors en attaque additionnelle, tout ça, mais la force de Majin Vegeta LR ici, c'est de partir très... Enfin, de taper très fort avec la première attaque. Et même à 12-13 de ki, bah, du coup, on tape à 4 millions, et encore, je suis sans doublon, là. Donc imaginez le bordel à 100%. Le mec, il va balancer des 5-6 millions comme ça, à 12 ki. Alors généralement, les LR, quand ils partent à 12-13 ki, à la première spé, il tape pas très très fort. Bah là, on tape comme des sourdingues avec la première. Et ça, c'est extrêmement intéressant. L'aspect ultime, c'est un carnage. Donc du coup, même si les dégâts sont pas forcément plus élevés, vu qu'on tape en carnage, c'est super intéressant et on peut stun aussi. Donc, côté offensif, c'est vraiment très 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 bon. Le stun, très appréciable.
Donc voilà, on a le petit bonus par rapport au PV, mais ça, c'est chaud à aller chercher, mais quand ça arrive, t'es bien content, parce que, imaginez, tu démarres une game, tu prends une énorme spé, t'es à moins de 30% PV, tu arrives, imagine Vegeta, 12 ki, critique, il va te mettre un carnage, il va retirer la moitié des PV, voire il va kill des personnages en une seule attaque, je parle même pas avec des doublons, donc dans certains cas, ça peut être monstrueux, mais c'est vrai que c'est pas facile à aller chercher. En vrai, mon plus grand regret là sur le personnage, c'est vraiment le passif Bulma. S'ils avaient mis autre chose, je sais pas, avec même un Trunks, voilà, Trunks adolescent, enfin je sais pas, mais pas Bulma. Juste ça, s'il y avait moyen de récupérer cette réduction un peu plus facilement, là, c'était vraiment génial. Mais là, Bulma, non, enfin c'est injouable, on s'en servira jamais. Et en plus, qu'on se comprenne bien, si on avait, ok, il faut qu'il y ait Bulma, et on a 50% de réduction. Vraiment un très gros bonus, parce que là le bonus il est pas ouf, hein. Enfin je veux dire 20% de réduction c'est bien, qui plus 2 c'est cool, mais en vue de la condition qui est très très casse-couille, bah le bonus il est pas suffisant en vrai, c'est pas suffisant, tu me mets une condition pareille, tu me donnes un bonus bien plus intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment mon regret c'est sur ça, sinon il est vraiment pas mal du tout. Alors quant à savoir par rapport aux autres, bah c'est difficile, hein. Alors pour moi clairement parmi les ZLR qu'on a de première génération, Goku Freezer qui est un peu à part, mais pour l'instant je trouve que Broly est le plus intéressant, en prenant en compte un peu la globalité, mais Majin Vegeta est bien, hein. Il est cool, hein. Il est vraiment pas mal, et il est un peu dans, enfin comment dire, dans la moyenne, je veux dire par rapport à Gohan, il a des atouts indéniables, donc après bon j'en fous qui est le meilleur, pas le meilleur. Peu importe, ils sont très sympathiques, mais ouais, je dirais quand même que Broly pour l'instant reste un peu plus intéressant en vue de ce qu'il propose, mais Majin Vegeta est très sympa. Bon, sur ce les amis, on va s'arrêter là-dessus, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut !